Oui, bon, j'ai froid. Eh bien, salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à Disneyland Paris. Comme vous pouvez voir, je suis couvert parce qu'il est à peine 8h10. Voilà, ça fait un long moment que je ne suis pas venu à Disney aussitôt. Mais aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Enfin, je ne sais pas encore réellement. Mais attendez, je vais vous le dire. Voilà, voilà, cette journée était vraiment incroyable ou pas, je ne le sais pas encore. En tout cas, vous le savez. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les Disney Plus Day. Et également, Disneyland Paris fait un événement pour sa date d'anniversaire. Ce sont les 2 ans de Disney Plus. Et donc, du coup, le truc qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais en général, quand c'est des événements comme ça, vaut mieux être là et voir par la suite comment ça se passe. Allez, j'espère que la vidéo va vous plaire. Let's go, générique, c'est parti. Bon les amis, on est là en avance, du coup on a été rejoint par Robin hein, qui avait offert également, vous savez, une petite peluche à Stéphane. Bon, on ne sait pas réellement ce qui va se passer, on ne sait pas. Et on ne sait pas, comme je disais tout à l'heure en vidéo, on ne sait pas si cette vidéo sera exceptionnelle, si cette journée sera exceptionnelle. En tout cas, on le verra bien et j'ai hâte. Pour le moment, on essaye d'avoir des petites idées. On pense que le thème principal de cette journée, ça sera très certainement, à mon avis, Marvel et Pixar. Donc on se dit peut-être se positionner, vous savez, au niveau de la Monstre et Compagnie. Et de toute façon, c'est les zones principales des rencontres personnages. Donc en vrai, si on doit se positionner, c'est là ou là-bas, là où il y a, vous savez, Woody et Buzz. Donc on va voir ça. Et puis j'espère qu'on va pouvoir rencontrer des personnages super cool. Et puis je vois qu'il y a la scène qui est colorée là-bas. Donc peut-être qu'il pourrait se passer également des choses sur la scène. On verra, on va surveiller ça. En tout cas, là, je pense que ça sera d'ici une heure et demie. Donc on a le temps, on va patienter un petit peu. Robin, je sais pas si c'est le monde qui amène le monde, mais en tout cas, derrière nous, il y a beaucoup de monde. Alors, je pense qu'on a bien fait de venir là en avance parce que là vraiment derrière nous il y a énormément de monde, donc il se pourrait qu'effectivement il y ait quelque chose. On a vu qu'ils ont installé une corde entre temps, donc on a bien fait de se positionner là. Et puis après on essaiera d'aller voir par là-bas ou peut-être vers Marvel, peut-être qu'il pourrait y avoir VandaVision, ce serait super cool. Loki, on n'en sait rien, mais voilà, en tout cas j'ai de l'espoir, je suis sûr que cette journée va être incroyable. Et j'ai pas les mots parce que la cast member, en fait on a entendu des gens qui ont été voir la cast member juste devant nous. Ils ont dit que Boo arrive normalement les gars. Boo arrive. Alors attendez, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Oh là 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 là. Boo to you. Non pas Boo to you, Boo de Monstre et Compagnie les gars. Les gars, il y a du monde qui est là. Les gars, on dirait que c'est une armée. Une armée là. Et je suis le premier, on est là au stand-by. J'y vais pas. Incroyable, vous êtes trop mignons. Bon du coup on s'est pas trompé, ils étaient bien là, trop cool. Yes. Bon les gars, juste incroyable d'avoir eu Boo et Sully ensemble, c'était juste trop cool. Donc maintenant bon, on enchaîne avec, là il y a normalement, je crois qu'il y a Russell et Carl Fredrickson. Donc trop cool, on va faire la file d'attente là pour faire une petite photo avec eux parce que je ne les ai pas. Donc ça fera deux personnages supplémentaires. Je suis trop content d'avoir eu Boo, c'est trop cool. Bon, Russell vient de partir les gars. Donc je suis un peu triste parce que je l'ai pas Russell. J'aurais bien aimé l'avoir. Donc je sais pas du coup ce qui va arriver là à l'instant. Je crois qu'il a dit vice versa. Son vice versa, il peut y avoir quoi? Joie et tristesse. Il n'y a pas les autres costumes. Hein. Elle est trop choupée, tristesse. Oh non, elle est triste. Oh, elle est trop mignonne. Trop cool. Bah, je suis trop content parce que je les ai jamais eus. Ils étaient à la Fan Days, ils étaient également dans d'autres soirées Disney. Mais c'est vrai que je les avais pas eus. Donc c'est parfait. Mais non, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, regarde. Je viens la rencontrer et elle est triste. Non, faut être contente. Bah, elle veut pas être contente. Bon, je vais faire une petite photo. Ouais, on y croit. Elles étaient incroyables. Et là on a un petit bonus, on a Buzz et Woody, donc on va aller les voir tranquillement. Bonjour, ça fait un petit bonus en plus. Yes.
clairement trop cool parce que vraiment c'était un trop bon moment. À un moment donné on voit Tristesse faire un peu de guitare, elle m'a trop fait rire, à mourir de rire, vraiment trop cool. Et puis bah là je pense qu'on va essayer de refaire peut-être Boo et Sully, normalement il y a un autre personnage avec eux on a entendu. Et on va voir après comment ça va se passer, il y a des magic shots aussi à droite à gauche. Vous savez que moi je ne suis pas fan de ce genre de choses, pour moi je préfère voir les personnages en vrai. Les magic shots des fois s'il n'y a rien de spécial dessus, pour moi je trouve ça un peu inutile. Et puis voilà quoi, mais en tout cas c'est une trop bonne journée de la part de Disney. Alors je pense que c'est organisé par la Walt Disney Company, hein, Disney Plus. Mais en tout cas c'est super cool d'avoir fait ça. Je trouve qu'il y a du monde mais ça reste quand même ok. Et puis en tout cas le 12 novembre restera à graver pour des événements spéciaux en rapport avec Disney Plus, donc c'est super cool. Bon, on est revenu au niveau de Monstres et Compagnie parce que y a Monsieur Sanderson et un autre monsieur à côté. Vous savez Monsieur Sanderson, celui avec sa chaussette, vous le verrez tout à l'heure. Et le monsieur à côté, je sais pas comment il s'appelle. Donc là pour le coup Monstres et Compagnie, je suis pas du tout calé. Mais c'est cool. Donc ça fait encore deux autres personnages. Ça fait quand même déjà 4, 6, bon sans compter Toy Story. On les a déjà. Là ça fera 6. Russell et Fredrickson qu'on essaiera de voir tout à l'heure, ça fera 8 en tout, pas mal. Et des bons personnages en plus. 3 hours later. Bon alors j'explique un petit topo là, on a attendu une heure tout à l'heure pour Sanderson et l'autre monstre. Et le problème c'est qu'ils sont partis et c'est Sully qui est revenu. Donc du coup forcément, bah nous on voulait pas Sully. Et en fait le cast member nous a dit que Sully est resté pendant une heure en rencontre en fait. Donc nous c'est pas ce qui nous intéressait. Il y avait même pas Boo avec lui, hein. Il y avait juste Sully tout seul. Donc on a dû aller faire autre chose et puis là on revient. En espérant peut-être, parce que là la pause déjeuner est passée, en espérant peut-être avoir ce qui nous manque et puis après aller voir là-haut justement à côté. Bon, par chance, ça y est, on a attendu un petit peu, il nous restera plus que Russell. On aura bien géré notre journée hein, et franchement c'est super cool de la part de Disney d'avoir fait une journée comme ça. Je trouve ça vraiment vraiment sympa. Bonjour. Attends, mais t'as une chaussette? Elle est là ta chaussette? Mais oui, regardez, il y a la chaussette. Non, vous inquiétez pas, c'est bon. Trop cool de les voir aussi. Du coup, on a réussi à les avoir. Fais une petite photo. Eh, petite photo. Bon, c'était trop cool de pouvoir les rencontrer. Eh, franchement, les amis, ça fait trop plaisir de pouvoir rencontrer des personnages de Disney qu'on n'a pas l'habitude de voir comme ça sur le parc. Franchement, Disney devrait faire ça plus souvent. Je pense pas que ça coûte si cher que ça. J'aimerais bien savoir pourquoi Disney ne le fait pas d'ailleurs. Parce que vraiment, ça embellit les journées, ça donne cette touche de magie qu'on a besoin. Alors oui, il faut être organisé, mais c'est trop cool. Bon là on enchaîne avec un petit Russell là. Regardez, il est au taquet là, Il est au taquet, bonjour. Salut. Hey. On finit avec un petit girl power de la bergère et Jessie. Elles sont trop cool les deux là derrière moi. Trop cool. Bon, bah c'est cool de terminer comme ça. C'est vrai qu'on aurait bien aimé peut-être Carl Fredrickson ou quelque chose d'autre, mais bon, on termine avec les deux. Bon, avec les personnages, c'est terminé. On a fait tout ce qu'il y avait à rencontrer, que ce soit Russell, que ce soit Sanderson, que ce soit, je sais plus comment il s'appelle, l'autre monstre, que ce soit Boo, Sully, et également Joie et Tristesse. Donc, on a tout rencontré, et même Woody, Jessie, Buzz et la bergère. Donc, ça fait quand même beaucoup de personnages pour cette Disney Day. Alors, c'est marrant parce que c'était spécialement des personnages de Pixar. On avait également Ratatouille, donc Rémi qui faisait un petit tour, vous savez, comme en voiture qu'on a l'habitude de le voir. On avait également les Indestructibles, je sais qu'ils pouvaient apparaître un peu dans le parc. Je les ai déjà, donc c'est pour ça que je me suis pas empressé d'aller les voir. Et là, ce qu'on va les tester, c'est qu'ils ont offert un petit dessert juste à côté, dans le restaurant à côté, en coulisses quand on prend un menu. Donc on va aller tester ce fameux, dessert gratuit quand on prend un menu pour voir à quoi il est. Et bon, c'est toujours cool de pouvoir tester de la food à Disney. Et par contre, ce soir, il est censé y avoir quelque chose sur Hollywood Tower Hotel. Donc on va surveiller ça, on va regarder ça de près pour pouvoir justement voir ce qu'il y aura sur ce fameux Hollywood Tower Hotel. Est-ce qu'il y aura un feu d'artifice? Est-ce qu'il y aura du mapping? On ne sait pas, on va regarder ça pour ce soir et j'ai hâte de découvrir ça. Réserve-moi une place, garde-moi une place devant. Tu vas garder une place devant, j'ai pris mon trépied, je me suis installé. Bon, on va goûter ce fameux dessert offert Disney+. Fromage blanc. J'aime bien, ouais, c'est pas mauvais. Et là c'est trop bien parce que pendant qu'on prend notre petit dessert, il y a Mickey et Pluto juste à côté. On va aller faire une petite photo, une petite vidéo à côté après. C'est trop cool de pouvoir manger avec les mascottes qui sont là juste à côté de nous. Et en plus qui ont des costumes différents. Donc je sais pas si c'est des costumes spécialement pour l'événement. En tout cas je sais qu'il fallait s'habiller en bleu. Bon, comme vous pouvez voir, je suis pas du tout habillé en bleu.
Mais du coup, eux, ils sont en tenue bleue et c'est cool. C'est cool, c'est des costumes différents, donc c'est cool. Dear friends, as part of the Disney Plus Day celebration, we now invite you to watch as our magnificent Hollywood Tower Hotel wraps up this exceptional day in its own special way. On termine sur cette note-là, alors j'avoue qu'on est un petit peu déçu, on s'attendait peut-être à plus de waouh, un final qui fait plus waouh. Enfin, c'est vrai que bon, on n'avait rien d'annoncé non plus, donc c'est nous qui nous sommes fait des films. Mais après une telle journée, c'est vrai qu'on s'attendait quand même à plus de waouh. Et bon, bah, on est un peu triste, c'est pas grave, tant pis. Bon les amis, bon ce final, voilà, comme je l'expliquais, c'était pas fou. Alors en fait, pourquoi je suis déçu? Parce que c'est vrai que c'était un peu l'affiche qui vendait cette fameuse journée, on s'attendait à vraiment avoir un final waouh. Bon, c'est pas grave, c'était quand même très bien pour un événement qui était gratuit, un événement qui était pas prévu de base, que nous on s'attendait pas, donc c'était vraiment cool. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée, en tout cas elle était exceptionnelle comme j'ai annoncé ce matin, on s'attendait pas à grand chose et finalement le résultat est exceptionnel. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, à très vite pour de nouvelles vidéos, surtout à Noël parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à ces prochains jours. On se fait des bisous et surtout n'oubliez pas que tout le monde aura de rêver. Alors pourquoi pas vous, des bisous tout le monde, ciao.